Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est parti pour un petit épisode sur Car Mécanique Simulator et nous voici avec notre voiture. Notre belle voiture que je vais garder, celle-ci d'ailleurs. Elle me plaît bien. Il nous restera le moteur et puis je sais plus quoi encore à faire dessus, mais ce sera pour samedi. En tout cas elle est magnifique, j'adore. Du coup aujourd'hui nous on va faire la prochaine mission principale. Alors bonjour, j'ai un problème avec la conduite dans l'obscurité depuis un certain temps. Je ne suis pas sûr, mais je pense que c'est une question de batterie faible. Les lampes ont l'air un peu sale, mais cela ne devrait pas être un problème puisque je suis déjà venu chez vous. Vérifiez s'il vous plaît si tout va bien avec ma voiture. Je ne suis ni fan ni expert. J'ai parfois l'impression que la voiture commence à perdre de la puissance après une conduite plus longue. Mais c'est peut-être que la voiture a déjà quelques années. Vous pouvez également la laver. Je suis garé à l'extérieur. Elle a déjà un peu de poussière. Je vous remercie par avance. Bonne chance. Donc voilà un petit peu. Donc on va réparer la voiture de celui qui ne voit pas clair. Putain, en rose, pas ouf, hein. Enfin, violet, my bad, c'est pas foufou. Alors, réparer ou changer les pièces de carrosserie, faire la vidange, vérifier l'alignement, je vais la laver quand même. Ok, donc phare avant droit, phare avant gauche. Ah oui, d'accord, ah oui, il a vite fait lui. 1%, ils sont pénis. Ils sont pénis. Alors, j'ai encore tout mon bordel là, c'est terrible. Faut que je remonte ça. Je réfléchis, je ne sais plus. Non, c'est pas là-dedans. Ça, c'est terrible. Et c'est celle-là, du coup. Hop. Et de 1. Et de 2. Ok, ne me demande pas de la laver, elle a l'air d'être propre, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Chacun sa merde. Alors, du coup, mon petit, c'est le tour. Hop. Et de 1. Il a pas, le mec a pas tergiversé, c'est tout changé, phare pour moi. Alors, pour l'élévateur, ah, du coup on nous dit la vidange, je ne sais plus ce qu'on nous dit. Remplir l'équipe pour la glace, vérifier l'animal dans des phares. Hop. Et hop, on a déjà commencé par ça, je vois que le papillon il est fatigué. Après. L'alignement des phares, on verra ça après. Faut que je peux le faire tout de suite. Parce que normalement, je suis pas censé les redémonter. Bande d'essai. Ah, à chaque fois, ça me le fait, ça, de descendre dans la fosse. Tu peux pas me laisser passer, non, faut que je fasse ce tour. Alors, alignement. Ah, très très bon, ça, j'adore. Y a plus de batterie, en fait. Mais si. Ouais, là, 11%, bon, alors attendez, on va trouver une solution, je vais la faire recharger, c'est pas grave. J'ai la flemme de redéplacer la voiture, alors j'aurais peut-être mieux fait, ça m'aurait pris moins de temps. C'est ouf, je ne sais jamais, c'est là. Vas-y, charge-moi ce bordel, là. Charge-moi ce. Et du coup, toutes les pièces que j'ai, c'est pour le dessous, je me rappelle plus de ce que j'ai branlé. Ah oui, c'est pour le dessous, ouais. Je ne sais plus ce que j'ai foutu la dernière fois. Pourtant, il n'y a pas si longtemps que ça. Ok. Hop. On va pouvoir la remettre gentiment. Et regardez les flares. Toc. Toc et toc. Impeccable. Ferme-moi cette capote. Et du coup. Et là, bah normal devrait mieux éclairer justement. C'est plus haut. Là c'est bon. Ok, ça c'est fait. Du coup. Alors ici. Donc ça c'est fini. Faire la vidange. Ok, donc là il y avait le papillon. Avec sa perte de puissance. Ah, putain, les rangs d'injection aussi. Oh, je sens qu'on va se taper un moteur. Je le sens. Et alors, je regarde conflit de frère pendant que je suis lancé. Parce que... peut-être les fusibles aussi. Je suis con, j'aurais pas dû démonter. J'aurais dû faire les machins, là. Ouais, il y a ça aussi. Je vais déjà changer ce que j'ai trouvé, là. Je vais remonter l'auto et puis je vais faire les vérifications à la con là.
J'ai pas pensé avant, ça d'habitude, c'est la première chose que je fais. J'ai pas pensé. Le papillon. La chasse au papillon. Hop et hop. Voilà, j'ai trouvé 4 pièces. Enfin, on en voit quelques-unes là, hein, ici aussi. Mais... Des fois qu'il y ait piston et tout le soin encore. C'est souvent quoi, non? C'est souvent, hop. Les relais peut-être. Ah mais pas en perte de puissance, mais après il dit qu'il voit rien, donc si... S'il y a des relais ou des fusibles de foutu, c'est sûr qu'il veut pas avoir grand chose. Et puis celle-là, là. Je ne sais jamais. C'est comme ça, voilà. Bon, on va y faire tout, comme ça nous fera des points en même temps. Je rappelle que je joue un peu hors ligne pour passer au level suivant. À chaque fois, en fait. Donc du coup, il y a deux... Il y a une vidéo en live par semaine, à chaque fois j'essaie de passer un niveau. Ah, UCE type A. Ah oui, en effet, oui. Ah, pas tant que ça, hein, ça se voit pas tant que ça, ce truc-là. Ah, le moteur ne démarre pas carrément. Ah oui, d'accord. Bah alors, ça fait comment pour venir jusque-là si ton moteur, il démarre pas, je comprends pas. Elle était bonne, celle-là, tiens. Ok, on va aller là-dedans. Toc. C'est même pas une perte de puissance si elle démarre pas. Enfin, il y a ça, il y a bien quelque chose. Tu veux toujours pas, je suppose. Si, juste pour le CE, ça démarre pas. Oh, segment piston, ok, bon. J'ai compris. Moteur, arbre à cam aussi. Segment. Oh putain, il y a de la casse, Roger. Il y a de la casse. Il y a de la casse. Et puis dans les relais là, les machins, les relais, les fusibles. Qu'est-ce qu'il va nous pondre? Alternateur 19%. Fusible. Ah oui, elle est bien malade ta voiture. Oui. Elle est bien fatiguée là. Est-ce qu'il garde tout ce qu'il a 38%? Oh putain. Merde, c'est pas ça que je voulais du coup. Ça on a fait, du coup bon, on va faire les pneus, ça nous fera 4 points de plus. Hein. Tranquille main. Ah oui, il y a quand même un peu de travail. On en a pour un petit moment. Ah, il y a la pompe. Bon, alors attendez, je vais déjà commencer par... Est-ce que je peux l'atteindre ou est-ce qu'il faut que je lève absolument la voiture? Tu peux pas aller là-bas derrière? Si. On va faire à la pompe et on va faire ce bordel là aussi. Est-ce qu'il me demande de tout les changer? Ah, il y a des pièces qui n'ont pas été trouvées encore. Putain, vu une chier. Hein. Type A, type B, type C. Viens voir, je vais les mettre en surbrillance. Il n'y a pas les fusibles. Si. Ah, je crois bien qu'il y a tout en fait. Ah, il y a tout. T'as raison, comme ça, ça débarrasse. Et il y en a un pack son. Et hop. Alors. Et tac. Alors on va vendre. On va vendre ça. Et ça. Ok, c'est reparti. C'est pas ça, c'est ça que je voulais. Alors 3. 1. 4. 2. 3. Et 1. Et du coup la pompe.
fais même pas une tunée. Hein. Alors là, faut pas déconner au bout d'un moment. Ok, ça c'est bon, c'est reparti mon kiki. Donc ça fera déjà un sacré paquet de bordel en moins. Je vais enlever la surbrillance du coup. T'es un sacré poxon, ouais. Ça nous fait des points, ça me va. Une sacrée mission là. J'aime ce. Et voilà. Ça c'est bon. Ce coup-là, on va aller là-bas derrière si on a le droit. Un peu comme. Ok, alors. Quand je vois déjà le nombre de pièces qu'on a déjà changé, et déjà en vert, est-ce qu'il reste? Ok, bon, bah segment piston, machin, faut tout faire. Hein. Il faut tout faire. Ça faisait pas si longtemps que ça qu'on en avait fait une comme ça déjà. Bon, mis à part celle qu'on a réparée là, la voiture du transporteur. Pas le plus il est bougé, t'as bonne façon, faut qu'on les enlève. Mais... Pourquoi les bobines c'est bon. Les bougies aussi. Les bougies aussi. Ah oui, c'est vrai. J'avais oublié ce détail aussi. Ok, bon là c'est le même bordel. Ça c'est bon de ce côté là, c'est reparti du zbouci. On avait du mal la voiture. Je crois que je l'enlève, mais ça, ce qui est bien, c'est que ça n'a pas de mal pour une fois. D'habitude, ils te les font faire aussi, mais pas cette fois. Ça n'a pas de mal, mais c'est vraiment rien comparé à ce qu'on va changer. Il y en a pour une sacrée note. Eh, collecteur d'échappement, je crois qu'il ne m'avait pas affiché. Hein. Laisse-moi tranquille. Pour sa rapidité, je voudrais tellement démonter aussi vite que ça, IRL. Ce serait trop bon, ça. J'aime ça. Il y a toujours quelque chose, là. Les courroies, aussi. Faut que je vide ça là, avant d'oublier. Hop, hop. Parce qu'après je vais oublier, puis je vais, bon, c'est pas pour le pruneau que je vais prendre, ça va faire quoi que ce soit, mais... Galette étendue. De la casse sur ta voiture, Roger. Vraiment beaucoup de casse. Je dis ça, je dis rien. Mais... Et je reviens encore une fois sur ce que disait Thomas le dernier coup. C'est vrai qu'ils ont vraiment beaucoup axé sur le moteur comme sur l'ancien. Ils ont rajouté des trucs en plus de carrosserie et tout. Mais c'est vrai que. Ils ont fait comme d'habitude, ils ont beaucoup axé sur le moteur. C'est ce qui est le plus intéressant, tu me diras, mais ça aurait pu être cool d'avoir d'autres trucs. Malheureusement, c'est pas le cas. Hop. Ah, et puis ça. Ah oui, il faut que j'enlève ça. Bah merde. J'enlève ça sur thermostat 8. Thermostat 12.
J'espère qu'il n'y a pas l'arbre. Le vilebrequin, j'ai pas regardé. Spécial vilebrequin, ça va être. Faut que je redémonte la boîte aussi. J'ai pas fait gaffe au vilebrequin s'il y avait. Bah oui, sacré idiot. Putain, je crois bien que le vilebrequin aussi. Attends. 13%. Faut que je démonte la boîte. C'est bon, sinon tout ce que je peux faire au-dessus pour l'instant. Ok. Eh ben, t'en as pour une petite note, mon salaud. T'en as pour une petite note, ça va te calmer. Alors. Ça va te calmer. Il y a le démarreur aussi. Il était foutu. Je crois maintenant en plus. Ah non, en plus. Bon, enfin, un moulin en entier, ça faisait longtemps, tiens. Ça faisait longtemps. Du coup, quel jour qu'on est? On est mercredi quand vous aurez la vidéo. Moi, je la tourne lundi. On fera du bus simulator ce soir, normalement. J'ai perdu, là. Elle est vide. Ah, au moins, il y avait de l'huile dedans, déjà. Y a pas mal. Alors, c'est reparti. Manque kéké. Et il y a de la crasse, hein. Il y a du petit bout. Ah, les chapeaux de biel aussi, ils sont... pulvers. Bah, tout est foutu, là. Je peux même pas les réparer pour y remettre. Ah, peut-être que ça, si. Le truc à 17%, là, c'est possible. Ça aussi. Attendez, je suis perdu. Ça s'est fait, ça s'est fait, ça s'est fait. Je vais regarder si je peux y refaire un ou deux trucs. Le truc à 17% là, mais le restant c'est baisé. Hein. Ok, normalement c'est tout. J'ai plus qu'à redescendre. Après, j'aurais plus qu'à remonter, je crois, pour enlever le vilebrequin. Les pistons, ils sont même pas foutus, quoi. Ah, les pistons, ils sont même pas foutus. Ok, je remonte pour le vilebrequin. Et normalement, après, on est pas trop mal. Faudra que je regarde s'il me manque encore d'autres pièces. Mais je pense qu'on devrait tout avoir, hein. Ok, est-ce que j'ai tout? J'ai tout. J'ai tout, j'ai tout. Alors, est-ce que je peux te refaire des trucs, Roger? Ça, on s'en fout. Connecteur d'échappement, je peux y refaire. Après. Ça, je peux. Magnifique. Si je l'avais pas loupé. Ça aussi. Oh, c'est chaud, ça. Ah, oh, je suis vraiment un sac. Ça, je peux aussi. Ça, il n'y avait pas besoin, par contre. Ok, bon, j'ai pu refaire 2-3 trucs. J'en ai pulvérisé 2 au reste, mais bon, c'est pas grave. Hop, 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 hop. Ça, ça. Ça, 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 ça. Après. Moi, je suppose que ça aussi. Galette tendeur,
ça. Faudra pas que j'oublie celui-là là, que je me trompe pas de machin. Et après, je crois que ça a l'air d'être bon tout. Ah, j'ai pas vendu du con. Vas-y, mais vends déjà ça. Et après, normalement, j'y ai pu. J'y ai pu. Ok, nickel. Alors, du coup, vilebrequin. Après, segment. Après, chapeau de biel. Chapeau de paille. Support de vilebrequin. Volant moteur. Filtre à huile. Bras. Arbre à cam 2, du coup. Parce que c'est les deux que j'ai pulvérisé. Poulie V8. Pompe de direction assistée. Lame à four 4. Pompe à eau. Galet tendeur. Roi. Et galet. J'allais dire, il n'y a pas une histoire de d'alternateur, mais je crois bien que je l'ai refait. Donc... Bien, c'est pas celle-là, ça va peut-être mieux aller comme ça. Ok, ben c'est reparti mon kiki. On va pouvoir remettre ça. On va pouvoir remettre ça. Nakat. Nakat ? Je fais de la merde là. Il n'y en a pas 4. Il n'y en a pas 3 normalement. Merde, j'en ai deux drabes. Qu'est-ce que j'ai branlé comme cochonnerie encore. Et hop, viens ici, ça c'est à moi ça, merci. Non. Ça c'est le mien, là. Je suis désolé, je vais être gentil, mais des limites. Hein. Faut pas me prendre pour un con. J'en ai deux, je vais te remettre celui que t'avais. Non, ça c'est ma pièce à moi ça. C'est pour ça que je voulais refaire la mienne au début. Hein. Parce que ça, c'est un coup de me faire baiser, ça. Je vais pas me faire couillonner comme ça. Ça, c'est pareil, tu reprends ta merde, hein. Moi, tu me laisses mon œuf. Ah, on voit rien. Mais non, je veux pas le pneu, du con. Moi, c'est pareil. C'est les deux mêmes. Ça, c'est... Ah, j'en ai qu'un. J'allais dire, je vais pas mettre le mien, mais je crois bien que j'ai déjà remis. Et je crois bien que j'avais pas celui-là, sur la Clio. Je crois que c'est tout pour l'instant en bas. Oula. Je suis perdu. À chaque fois que je ressors de ce menu là, tu peux être sûr que je suis un peu perdu. Ok, puis là, bah, c'est reparti. Hein. Ça, on s'en fout parce que les pistons sont tous bons. C'est tous les segments qu'on change. Hop et hop. Ça, on s'en fout, c'était pas mauvais. Les deux arbres, comme on les remet, de toute façon, c'est tout neuf, tous. Ça, c'était pas cassé. Ok. Ça, c'était bon aussi. Après les bjis qui étaient pas foutus et les bobines aussi. Ensuite le culasse qui était pas foutu, donc on s'en fout, pas besoin de trier. On refait le même bordel de l'autre côté. Il y en a du boxon. Les bougies, collecteur d'échappement sans balayer parce que je l'ai refait. Je vais quand même mettre le neuf de l'autre côté, hein. Parce que c'était de l'autre côté. C'était celui-là de ce bout-ci. Dieu devrait en mettre encore plus de boulons. Des fois qu'il s'en aille. Il y a plus de boulons après le collecteur d'échappement qu'après ça. Terrible. Le couvre culasse. Ça.
Après ça. Ensuite, on peut remettre le collecteur d'admission, le thermostat 8 aussi. Attends, je vais remettre le thermostat 8, thermostat 8, thermostat 12. On peut remettre ça. On peut remettre le papillon, les rampes d'injection. J'ai rien oublié de ce côté là. Je crois pas. Hein. Par contre, voilà. Là, faut que je mette le 9. Enfin, le 9, celui que j'ai refait. Ça, là, il y a 4 9. On s'en fout. Je crois que ça va être sur les galets qu'il faut que je fasse gaffe. Bon, ça, c'est tous des vieux sur les A. Ça, c'est encore un A. La pompe de direction assistée est neuve. L'alternateur, il est neuf. C'est moi qui l'ai refait. Galon rouleur A, on s'en fout. Ça, c'est neuf. Le bras, c'est neuf. Il n'y en a qu'un B. Je ne sais plus. Putain, je suis perdu. Ça, c'est neuf. Ça, c'est neuf. Il n'y a pas un truc qu'il fallait que je trie? Genre un galet en rouleur B, une connerie pareille? Ou alors il n'y en a qu'un et puis j'ai pas fait gaffe? C'est bien possible là. Le galet en rouleur A, donc c'est le dernier qui me reste. Ah bah c'est ça. Il n'y en avait qu'un, donc là c'est un 9 qui vient là. Et j'en ai qu'un. Ok, bon, je pouvais pas me tromper. Ok, donc normalement j'ai fini. Ici, il faut que je remonte la voiture. Et puis on sera pas trop mal. Ah par contre, faut me laisser approcher, hein, parce que je vois rien du tout. Là, il y en a que j'ai refait, il y en a des neuves aussi, je crois. J'en ai deux fois de trop, je sais pas ce que j'ai branlé. Je sais pas ce que j'ai foutu. J'ai pas démonté l'autre moteur, si? Je m'en rappelle plus. J'ai démonté le moteur de la Clio. Je sais plus ce que j'ai branlé. Si j'en ai deux fois de trop, j'ai dû démonter une connerie pareille parce que. Ok. J'ai tout remonté, hein, normalement. Ouais, j'ai fini. Je fasse la vidange, mais c'est fait. Puis c'est tout. Elle est entière ta voiture, Roger, non? Ça c'est toi moi, ouais c'est toi moi. C'est toi moi, donc normalement j'ai plus qu'à remettre de l'huile et puis du liquide refroidissement et ça dégage. Non mais ça a été rapide, je pensais que ça allait prendre beaucoup plus de temps que ça. Et celui justement. Violet. C'est peu, je m'en fous de par moi. Ouais c'est peu. J'aime pas trop. Pour une voiture d'homme, c'est pas le top quand même. Hein. C'est pas le top. Où c'est qu'il est le bouchon, il est là. C'est pas le top. Bon après chacun ses goûts et ses couleurs, comme on dit, justement. Ok, et eh ben c'est bon. Allez, hop. Impeccable. On ouvre la 1193, ça devrait aller vite. Ok, bah du coup, on va faire un petit peu. On s'arrêtera là pour aujourd'hui. J'ai pas de bonus d'XP dans mon bordel. J'aurais pu regarder les pièces en dessous pour faire du point, mais c'est raté, j'ai oublié. J'ai oublié. Alors lui il vient pour la boîte à vitesse. Bon normalement. Ah oui effectivement elle est malade. Elle devrait démarrer hein, normalement. Quoi, c'est vrai que si vous voulez rusher un peu les missions principales, je vous conseille de faire ça pour faire du point. Tu fais des scans un peu de tout et n'importe quoi, ça te donne du point assez gratis. C'est assez rapide. Et ça te permet de passer un niveau assez. Alors on va dire rapidement, oui et non, ça dépend des missions en fait. Parce que là c'est vrai que la mission principale nous a apporté pas mal d'XP. Mais c'est pas tous les coups gagnés. Hein. Hop.
Et du coup, ouais, il me manque un peu moins de 400 points. Si, 400 points, plus de 400 points encore. J'ai rien dit. 5250 qui nous restera 400 points. Voilà. Hop. Bon, là, ça t'apporte que 4 points. Mais bon, c'est toujours ça. Et là, je vois déjà marqué derrière son PC en train de faire des sauts de 20 cm. Avec ce qu'on a fait. Comme d'habitude. On a fait quand même presque 40 points d'XP là. Quasiment. Enfin, en faisant ça. Hop. Et on va recommencer en dessous. Avant de démonter la boîte de toute façon. Sinon, ce que tu peux faire. Parce que je ferai moi si je serais pas si je ferais pas des vidéos dessus, je rachèterai des bagnoles et puis en démontant et en remontant ça te fait de l'XP donc voilà. Mais je ferai pas de vidéo ni de live dessus, je pense que je ferai comme ça. Au lieu de faire absolument du point comme je fais là. Hop, encore 400 points, puis ça sera bon. Encore 400 points. Ça va, c'est assez rapide. Disons que là on est qu'au level 22, faut déjà 1650 avant de passer au level suivant. Je pense que plus tard, dans les prochains niveaux, ça risque de monter un peu. Et 3. Je sais pas c'est quand qu'on aura la mission principale avec l'autre qui nous avait amené son tas de boue. Vous vous rappelez la voiture toute jaune là? Le mec il dit qu'il l'a récupéré dans une casse et puis il disait qu'il voulait la refaire en entière. Au début, qu'est-ce qu'on a refait? Je crois qu'on l'a juste fait démarrer. Donc c'était toutes des pièces à 14 ou 15%. C'était vraiment les pièces à 1% qu'il fallait changer. Après, il nous a refait faire quoi? Les suspensions, je crois. Et c'est tout. Donc il y a de fortes chances qu'on le recroise prochainement. Ok, on est presque à 1300 points. C'est pas mal. Du coup la boîte, est-ce qu'il faut que je démonte? Ah oui bien entendu, il faut que je démonte tout ce bordel. Je démonte les pineux. Hop. Demi-tour de l'autre côté. Ah ben non, là ça va pas aller, c'est parce que je voulais Roger. Merci. Hop. Ah merde. Ah oui, bah oui. Oui bah oui, bah si vous êtes c'est depuis le dessus, bien entendu. Putain, c'est pas vrai, Roger, c'est pas vrai. Il est où? Il est là le coin. Je vais la remonter. Mais non, c'est pas ça que je veux. Est-ce qu'il y a que ça? Ou est-ce qu'il y a le dedans aussi? Ouais, bien malade quand même. 10%, ça sert à rien que j'essaie de refaire. Est-ce qu'il y avait que la boîte, Maurice? Il n'y avait que ça, ouais. C'est déjà pas mal. Hein. Toc et toc et toc. Ah, j'ai une caisse. J'ai une caisse, une caisse. Ok, on va finir ça tranquillement. Après, on stoppera là pour aujourd'hui, monsieur. Là, j'avancerai un petit peu pour atteindre le prochain level pour samedi. J'avancerai dans mon coin. On a 1308, il reste 300, un peu moins de 350 points. 340 points quand j'aurai remis le pneu. On a fait quasiment 100 points, peut-être même plus de 100 points en faisant les contrôles. Ok, il reste plus que le démarreur et ça les gâche. Ça dégage. Et normalement on a fait. Si j'ai rien oublié comme pièce, ça devrait le faire. Hop, et une de plus. Ça donne pas beaucoup de points d'XP par contre. Bah bon, c'est des petites missions. Hein. Du genre comme ça, là, un problème de frein. Là on ne sait même pas ce qu'il y a. Autre tâche, je dois avoir une connerie.
Voilà, alors ce genre de conneries là, et puis... Oh, jolie voiture, toi. La couleur est pas foufou. Putain, le moteur est pas là. Gol, gol. Ah, là, il y a du module ABS, là. Il y a du module ABS là-dessus. Ah, puis c'est de la saloperie électrique, mon dieu, ce genre de bagnole-là. Là, je vois qu'il y a un étrier de frein qui est peigné aussi. Ouais, module ABS, hein, c'est ce que j'avais dit. Bon, alors là, moteur, ça, je pense que tu peux oublier celui-là. Voilà. Merde! Là, tu vas faire moins de points, bien sûr, là-dessus. Alors, je suis content d'avoir qu'un problème de frein là-dessus, parce que ce genre de bagnole, comme le... J'en ai fait peut-être 3 depuis que je joue au jeu. Et des choses, j'y comprends strictement rien. Et si on en trouve une dans une grange, on la fera quand même. Parce que je suis quand même curieux de savoir. Étant donné que je change toutes les pièces, c'est pas dramatique. Ok, bah du coup, c'est là-dessus qu'on va se laisser, messieurs dames. On se retrouvera samedi pour la suite. Et puis voilà. Voilà, et puis voilà. En tout cas, bien sympa cette petite mission encore. Je sais pas comment je vais surnommer. Merde, j'ai oublié une vis. Je sais pas comment je vais surnommer le truc. Ah, je peux peut-être le refaire, ça. La voiture de celui qui ne voit rien, peut-être. Je peux peut-être faire ça. Ça peut peut-être être ça un peu. Oui, bah ça, faut pas découper. Comment ça se fait que j'ai encore un carter d'huile? J'ai pas tout compris. Il y a des fois, je comprends pas tout de ce que j'ai branlé. C'est pas le même carter d'huile que la bagnole que je viens de faire. Oh. Ok, ça c'est fait normalement. Ah oh, putain, je l'ai pas remonté, imbécile. Et j'oublie toujours une vis, c'est incroyable ça. Là. Hop. Et du coup, il doit y avoir 3 conneries à changer. Comme d'habitude. Ok, bon c'est là-dessus messieurs, j'espère que l'épisode vous aura plu, on se retrouve samedi pour la suite, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne après-midi ou une bonne soirée si vous regardez la vidéo en soirée, et je vous dis à la prochaine, ciao!